Bonjour les ratous, on espère que vous allez bien. Alors, comment tu t'appelles, demoiselle? Oui. Et tu as quel âge? 5 ans. Et moi, comment je m'appelle? Camille. Et j'ai 29 ans. Et je suis ta maman. Voilà, on est maman et fille. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite vidéo pour les rats. Pour présenter une grosse partie de notre petite famille de rats. Alors, pourquoi on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que Rose, elle a 5 ans et comme beaucoup d'enfants de sa génération, si on ne surveille pas, elle passe beaucoup de temps sur la tablette. Et sur la tablette, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien, elle regarde des vidéos sur YouTube Kids. Elle regarde des vidéos de Calice et Athéna. Ensuite, il y a Swan et Néo. Amandine et Fantin. Donc tout ça, ce sont des enfants qui font des vidéos avec leurs parents, qui font des petits défis, qui montrent des nouveaux jouets. Qui font des cabanes, voilà. Ils font plein de choses. Et Rose, elle adore ça. Et du coup, elle avait envie, elle aussi, de commencer à faire des petites vidéos. Alors, on a eu une idée toutes les deux. On s'est dit qu'on allait faire des vidéos pour parler des... Les petits rats, tout à fait. Les petits ratatouilles. Alors, moi, personnellement, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai des rats. J'ai eu mes premiers rats à l'âge de 8-10 ans à peu près. Et depuis, j'ai jamais arrêté d'en avoir parce que c'est vraiment des animaux que j'adore, qui sont hyper attachants, hyper intelligents, qui ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de très bonnes qualités, même s'ils ont aussi beaucoup, beaucoup de défauts. Malheureusement, c'est un animal qui vit pas très vieux, qui parfois aussi meurt dans des conditions pas forcément toujours très, très sympathiques. Mais il est tellement, tellement attachant que moi, je peux pas faire sans. Rose, elle a 5 ans et ça fait à peu près 5 ans qu'elle a des rats. Puisque elle est née, moi j'avais déjà des rats, donc forcément elle a des rats depuis sa naissance. Elle a grandi avec les rats, donc elle n'en a pas peur, elle sait très très bien s'en occuper. Tu sais très bien s'en occuper? Oui. Alors elle n'aide pas encore, parce qu'elle a que 5 ans, elle est encore petite, elle n'aide pas encore à nettoyer la cage, à faire ce genre de choses, mais elle aime bien voilà, jouer avec les rats, faire une petite construction pour que les rats viennent jouer avec elle. C'est son petit plaisir. On va aujourd'hui donc faire une petite présentation de une grosse partie de notre famille. Donc on a 9 rats, tu es d'accord avec moi? Oui. On a 9 rats au total, on a des filles et on a aussi des garçons. Alors est-ce que tu sais me dire combien on a de filles? 3. Oui, et combien on a de garçons? 8. 6. Donc on a 6 mâles. C'était presque ça, oh c'est pas grave. Donc on a 6 mâles et 3 femelles qui vivent ensemble. Alors attention, ils vivent ensemble parce que nos rats ont été stérilisées chimiquement. C'est-à-dire qu'en fait elles ont reçu un implant de stérilisation chimique. C'est un implant qu'on utilise chez les chiens, qu'on utilise aussi parfois chez les chats, chez les furets. C'est en fait comme une petite... Chez les lapins, je ne m'avancerai pas trop, mais je pense que ça peut se faire aussi. Je ne suis pas tout à fait sûre. Il faudrait se renseigner, je ne connais pas tous les animaux. Et en fait, c'est... Les putois, peut-être. En fait, donc c'est un implant de la taille à peu près d'une puce électronique, hein, comme on implante aux chats et aux chiens, et qui se met sous la peau, et qui permet en fait de bloquer la production de certaines hormones. Ça fait mal, oui, parce que c'est une très grosse aiguille, donc c'est vrai que ça peut être douloureux, mais nous, chez le rat, pour être plus à l'aise et pour que ce soit moins douloureux pour eux, on l'a fait sous anesthésie gazeuse. Donc c'est une anesthésie qui s'effectue avec un gaz qui est très rapide. Donc les rats s'endorment très très vite et ils se réveillent aussi très très vite. C'est l'avantage parce que les rats c'est des animaux qui... Bah, la dernière fois il y en a une qui se réveillait. Oui, la dernière fois. Donc Rose est venue avec moi faire l'implantation des implants pour les filles. Elle a pu voir comment ça se passait. Et là, on a beaucoup de rats. Et maintenant, on a beaucoup de rats du coup, parce que, en fait, effectivement, cet implant, eh bien, ça permet que les femelles ne soient plus en chaleur et de ne plus faire de bébés. Donc, pas de risque. Surtout, hein, Et qu'ils soient plus embêtés pour être seuls. Ben oui. Et ça, c'est très important, il faut le dire, Rose, c'est qu'il ne faut jamais faire vivre des garçons avec des filles si l'un ou l'autre n'est pas stérilisé. Les rats sont des animaux très très prolifiques, ils font plein de bébés. Et si on laisse un garçon et une fille ensemble, ils ne vont pas arrêter de faire des bébés et très très vite, on va être envahi. Donc toujours... Envahi pour des bébés. Voilà, c'est ça.
Donc toujours les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. On mélange uniquement si tout le monde est stérilisé, castré, etc., etc. On va passer à la présentation de notre petite famille. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est la journée. C'est comment? C'est par... On va commencer par Trip, parce qu'il est là, parce qu'il... par Larve, pardon, je me trompe. Donc, je l'ai dit. Donc, lui, c'est... Larvichou. Donc, Larve Ulrich, de son nom complet. C'est un jeu de mots, en fait, parce que le papa de Rose, mon amoureux, il a toujours dit que les agoutis, c'est des larves. C'est vrai que c'est... En général, c'est des rats. Des larvichoux, des petits. C'est des larvichoux, quoi. Ils se traînent, ils sont. Voilà, c'est des pâteaux et il dit toujours que c'est des larves. Alors, du coup, on a fait un petit jeu de mots, Lars Ulrich, qui est le nom d'un des guitaristes du groupe de rock Metallica. C'est un petit clin d'œil qu'on s'est fait ensemble, voilà, c'est une petite blague entre nous. C'est donc Lars Ulrich. Il a à peu près 6 mois, peut-être un petit peu plus. Donc, on l'a vu, il est très gros. Hein. Énorme. Il est énorme. T'as vu? Comme une baleine. Et alors, il est très gros et du coup, c'est le... Chouchou. C'est le chouchou, oui, mais c'est tous les chouchous. Mais du coup, c'est le big boss. C'est le dominant de la troupe. C'est le chef. À vos ordres, capitaine. Ensuite, on va montrer, du coup, on va aller d'un extrême à l'autre. On a montré le plus gros, on va montrer le plus petit, qui est le plus jeune. Ici, nous avons Red is Dead, le Redichou, le chouchou de Mademoiselle Rosichou. Donc Red, c'est le petit, le plus petit, c'est le petit bébé. Il doit avoir à peu près 3 mois, donc c'est vraiment le petit bébé de la bande. Et du coup, c'est aussi devenu le chouchou de Rose. Rose, elle rentre de l'école le midi, elle mange, à peine elle a terminé son assiette, elle va ouvrir la cage et elle prend Red avec elle. Et Red, elle passe du temps sur sa tête, sur son épaule, ou alors elle le met dans son peignoir, dans sa robe de chambre, et ils passent des heures entières comme ça tous les deux. Voilà, c'est une vraie histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre toi et Red. Hein? Oui. Bon, c'est vrai qu'il est adorable. Donc Red, on l'a pas dit, donc il est topaze, c'est sa couleur, il est topaze, et il est Dumbo, donc ça veut dire qu'il a des petites oreilles, enfin des grandes oreilles, implanté sur le côté de sa tête, qui lui donne un petit air vraiment trop cute. Il est trop mignon. Chou. Il est trop chou. Ensuite, donc Larve qui est en train de manger son petit drop, s'en va tranquillou. On va essayer de sortir un des gros qui se trouve dans le Spoutnik. Je le rappelle, c'est la journée, donc c'est pas l'heure pour les rats. Normalement, à cette heure-ci, ils font dodo. Hein. Dodo chouchou. Ils font des dodo chouchou. Alors oui, chez nous, il y a beaucoup de chou, de chouchou. Un dodo chouchou. Un dodo chouchou. Alors ici, nous avons, je présente... Apopo. Apopo, Apophis, qui est bleu russe, Dumbo aussi. Alors Apo, c'est un petit peu le rat de papa. C'est pour ça qu'il s'appelle Apophis. L'Apophis qui est le nom d'une divinité. Apophis, c'est un rat super gentil, super câlin. De toute façon, ils sont tous super cool, hein. C'est tous des amours. Mais Apo, il a un petit défaut. Il mord les pieds. Il mord les pieds de Rose. C'est-à-dire que le soir, tous les soirs, les rats sont sortis. On les prend avec nous sur le canapé pour faire des câlins, pour jouer et tout ça. Et en général, Apo, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se glisse dans la couverture et... Il va mordre les pieds de Rose, c'est son petit plaisir. C'est bon, c'est pas mon plaisir à moi. Ah non, c'est pas ton plaisir à toi, c'est sûr. Alors ici, dans le tuyau, qui se présente... Ouais. Allez, descends mon bébé. Chouchou. Non, bah, il s'accouche. Il a pas envie de sortir de son tuyau. Parce que... Ah, vas-y. Allez, descends. J'ai peur. Ah voilà. Alors Rose, qui avons-nous là? Alors Rose, elle ne connaît pas encore très bien tous les noms, hein, elle n'a que 5 ans, donc des fois elle mélange un petit peu. Ici c'est Winter. Winter le chouchou. Winter le chouchou, de toute façon c'est tous des chouchous. Winter, donc, qui me fait caca dans la main, bien sûr. Allez, cadeau, voilà, c'est ça. Donc Winter, il est bleu US, standard, lisse.
Son nom complet, c'est Adler. J'ai pas encore eu caca. Toi, t'as pas encore eu caca, bon, heureusement. Je suis tranquille. Ouais, mais bon, en général, la plupart du temps, le soir, quand ils sortent avec nous, ils font caca partout, ils font pipi. Enfin, c'est voilà, c'est des rats. C'est des rats, c'est tout, c'est comme ça. Alors, Adler of Winter, qu'on appelle Winter ou Wintichou. Wintichou. Lui, il commence tout doucement. Alors, il faut savoir que les mâles, ça fait pas très longtemps qu'on les a, on les a depuis fin novembre. Et donc, même si on les sort tous les jours... Et on va en présenter un autre. Alors, on va déjà en présenter un autre. Winter, voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est celui qui reste encore un peu plus discret pour le moment. Lui, c'est celui qui reste vraiment le plus peureux, entre guillemets, pour l'instant. Donc, c'est Chouchou encore, bien sûr, qui s'appelle Earth Attack. Earth Attack. Alors, Rose, la première fois qu'elle a vu sa photo, elle m'a dit... Il a un cœur sur sa tête. Elle m'a dit qu'il avait un cœur sur sa tête. Donc, et j'avais même pas vu qu'il avait un petit bouton sur... Qu'il a une petite tache noire sur le entre les épaules et il a aussi une petite tache noire ici à son bidon. Alors, Earth Attack, il est masqué, noir. Masqué, c'est pas une variété très courante. Moi, j'en ai jamais eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de rats, mais les masqués, j'en ai pas eu des masses. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été personnellement mon coup de cœur, physiquement mon coup de cœur. Et comme Rose avait dit qu'il avait un cœur sur le visage, je voulais qu'il ait un nom avec le mot cœur à l'intérieur. Et donc, du coup, Earth Attack, crise cardiaque, forcément le coup de cœur de maman, le cœur de Rose, voilà, tout y est. C'est un gentil pépère. Ce qu'il adore, lui, le soir, quand on le sort, c'est de rester dans la petite cabane que j'ai fabriquée. Et ce qu'il faut, c'est que mais je le mais il y aurait une carrée qui tient pas. Bah, j'en ai fait une carrée qui tient pas. On a essayé avec les Lego, ça tient pas. On a essayé avec les Lego, ça tient pas. C'était l'idée de maman. Oui, bon, c'est pas grave. Du coup, on en a refait un. On a du tissu, on a tout ce qu'il faut. On en refera des autres, c'est pas grave. Hein. Oui. Hein. Alors, ensuite... Vas-y, fini. Ah, dernier, chouchou. Je crois que non, on a... Bah, il y en a un qui fait ses toilettes. Non. Alors ici, c'est Trip. This is my last trip. C'est mon dernier voyage. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que j'ai été le chercher. Parce que c'était moi. J'ai été le chercher loin, voilà. Mon idée, c'était de l'appeler Trip. Et c'était ton idée, si tu veux. Donc Trip, il est ce qu'on appelle Red Devil. Donc Red Devil, comme c'est... Comme Red le chouchou. Comme Red le chouchou, oui. Red Devil, c'est une dilution. En fait, le rat est noir et il a les yeux rouges. Et puis, il fait des bisous sur la bouche. Ouais, lui... C'est trop chou. Lui, c'est moi, c'est mon chouchou d'amour. C'est mon fils. Lui, c'est mon fils. Mmh. C'est mon bébé d'amour. Hein? Oh là 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 là. Lui, c'est vraiment mon chouchou parce que... Encore un cadeau? Il est adorable. Encore un caca? Non, il est... Ah, si. J'ai du caca partout, il y a du caca partout, c'est pas grave. Un petit drops. Ouais. Alors, on a présenté, je crois qu'on a présenté tous les garçons. Hein. Apo, on l'a présenté. Red, on l'a présenté. Earth Attack, on l'a présenté. On a tous présenté. On a présenté tous les garçons. On va présenter une de nos filles. Un chouchou. C'est ma petite folle. La petite feu folle. Alors, comment elle s'appelle? Cristal. Cristal grotesque. Je regarde les deux yeux parce que si c'est Cristal grotesque, c'est ça. C'est ça, c'est Cristal grotesque. Alors, Cristal, elle est arrivée ici il y a un peu plus d'un an. Elle a un peu plus d'un an. Elle est nue, Dumbo. Elle est arrivée ici avec ses deux sœurs. En fait, j'ai adopté. On a pas beaucoup de Dumbo, non, on en a que trois. On en a que trois sur neuf, c'est pas beaucoup. Quand je les ai adoptés, on m'avait dit que c'était des double rex. Donc normalement, c'était censé être des rats avec un petit peu de poils frisés et un petit peu de zones nues. Et en fait, c'est... Ils ont des toutes petites poils blanches. Voilà, c'est des nus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les rats nus? Bah, on peut dire qu'ils sont toutes nues. On peut dire qu'elles sont toutes nues. On peut dire que c'est très chaud quand on le touche, ils sont chauds. C'est tout chaud. C'est tout chaud et c'est tout... aussi, leur peau, elle rebondit. Leur peau, elle rebondit. Alors, c'est vrai que quand on caresse un rat nu, quand on caresse un animal nu, de toute façon, de manière générale, on a toujours l'impression que toute la peau va venir avec. C'est pas forcément très très mignon, mais bon. Moi, j'aime bien les rats nus parce que c'est quand même marrant d'avoir un rat nu, je trouve. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre petite famille? Qu'est-ce que tu voudrais dire sur ta petite famille, Dra, pour terminer cette vidéo? Ils sont choux. Oui, mais ça, on l'a compris hein, depuis le début de la vidéo. On dit qu'ils sont trop mignons. Fais un bisou à maman. Fais un bisou. Qui sont canidous, qui sont trop choux. Qui adorent les biscuits. Regarde-moi ça. Ça, c'est de l'amour. Hein. Trop choux. Eh ben, je pense qu'on a fini de présenter notre petite famille. Bah, il reste plus que deux filles. Oui, alors les deux autres filles, on les présente pas. Pourquoi? Parce que c'est des retenues qui viennent d'un... que j'ai adopté chez un particulier. Alors, c'est une portée Kinder, donc une portée qui n'était pas voulue. Donc, c'est des rats qui sont pas forcément en hyper... pas beaucoup très envie de montrer. Non, elles sont pas en très bonne santé. Une seule rate. Ouais, on a montré celle qui est en bonne santé. Les deux autres, malheureusement, sont pas en très très bonne santé. Comme elles ont pas de poils, elles ont pas de... En fait, il y aurait qu'il y a un œil rouge qui sort. Non, son œil rouge, il sort pas. Mais... son œil, c'est... Elles ont des problèmes au niveau des yeux, tout simplement, parce qu'elles ont pas de cils. Et du coup, dès qu'il y a des poussières, dès qu'elles ont une petite griffe ou quelque chose, et ben voilà, ça a tendance à faire des bobos qui sont pas trop trop jolis. Donc du coup, on les embête pas, on les laisse tranquilles. C'est pour ça qu'on les montre pas. Voilà. Quel sera ton mot de la fin, Rose? Bah, au revoir, salut. Voilà. Ça, c'est la démonstration de tout l'amour de Tira. L'arbre, c'est vraiment un gentil pépère. Il m'a mordu une fois, il n'y a pas longtemps. Mais tu l'as déjà dit beaucoup de fois. Je l'ai déjà dit. Alors, tu l'avais dit trois fois. On va se quitter. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On fera des nouvelles vidéos, Rose. Ouais. On vous montrera peut-être d'autres choses. On vous montrera peut-être comment réaliser des drops. On vous montrera comment on a réussi peut-être à entraîner les rats à faire des tours. On verra. Ou on peut faire des constructions sur la table. On fera des constructions sur la table. Un labyrinthe. Voilà, on fera des labyrinthes. On s'amusera. On vous montrera bah, tout simplement la vie de nos petits rats. Et j'ai mis du vernis. Et Rose a mis du vernis spécialement pour la vidéo. Alors on va vous dire au revoir et à bientôt. Allez, c'est salut poilu.